kick! Power slam! Together we will annihilate these fools. Ultimate is ready. Awesome! Bomb has been defused. All locations secure. Maintain current posture. Bonjour tout le monde et bienvenue au Sportif du Clavier. Bonsoir à tous à la maison, merci d'être présents. On s'excuse du petit délai. Comme vous pouvez le voir, on a une équipe réduite ce soir. On n'est pas nombreux, on est vraiment pas nombreux, mais on est quand même là. Cook est tombé au combat, yet again, si vous écoutez les si vous écoutez les sportifs du clavier depuis notre tout début, vous allez comprendre que le running gag, en fait c'est pas running gag parce que c'est vrai à chaque fois, mais Cook tombe souvent malade, mais ça fait partie des malfaits, si on veut dire, des côtés négatifs d'avoir un jeune enfant à la maison. Ah oui. De l'envoyer à la garderie, là où les microbes se partagent d'un à l'autre. Ah, c'est... les microbes pullulent. Et oui, effectivement. Donc, Cook, on te souhaite à toi un bon repos. Je pense que tu nous écoutes, mais repose-toi bien, cher ami. Et reviens-nous en forme la semaine prochaine. Parce qu'on va avoir si besoin Dieu de le veut! Non! Il n'est pas si Dieu le veut, il est obligé d'être là. C'est pas vrai que un des deux gars qui ont parti ça sera pas là. On partait des 1 an du podcast. Oui, oui. Vous l'avez entendu, le seul et l'unique collaborateur qui sera avec moi ce soir, Cadium. Bonsoir. Je te promets que je dors dans 15 minutes. Quoi? Cook, il dit, je te promets que je dors dans 15 minutes. Je pensais que tu me disais ça à moi, j'étais comme Malera. Non. What? Non. Ce sera pas si plate que ça? Ben non, vous avez deux meilleurs avec vous autres. Dites-les pas aux autres. Comment ça va, Cadium? Cook est en train de regarder. C'est tellement bad manner. My God. Le gars, il... ouais. Hey, ça va super bien, mon cher Max. Good. Grosse semaine, grosse rentrée en force, gros week-end de e-sport qui s'en vient. Et tout le tralala. Et tout le tralala. Non, ça va super bien. Good. Parle-moi de ça. Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Ben, en fin de semaine, j'ai malheureusement manqué la majorité de WCS Copa Intercontinental que je m'étais juré de suivre. Parce qu'imagine-toi donc que on a décidé tout bonnement comme ça de partir samedi matin puis d'aller monter le Mont-Tremblant. Après ça, tu te demandes pourquoi je te paye pas, toi. Quoi? On a monté le Mont-Tremblant à pied. Nice. Qui a été une expérience particulière. Comment ça? Ben, c'est parce que... comment qu'on dit ça? Donc, ah oui, c'est ça, c'est des... tu sais, le grading des pentes de ski, ouais. Quand t'as des débutants intermédiaires, puis à un moment donné, t'as un diamant, deux diamants. Toutes les pistes de marche qui montent le Mont-Tremblant au complet, c'est des diamants. Il y a comme pas de... tu sais, il n'y en aura pas de facile pour monter en haut de cette montagne-là. C'est brillant. On marche pas beaucoup, nous autres, quand même. Je dirais même qu'on est sédentaires. Pas mal. Quelle mauvaise décision. Tu as commencé par le Mont-Bruno, ou Mont-Royal, ça te tentait pas, toi, c'est Mont-Tremblant straight en partant. Là. Mont-Tremblant straight en partant. Hashtag YOLO. All the way, YOLO. Écoute, tu passes à travers, c'est comme des stages d'acceptation. Là, t'es rendu au tiers du chemin, tu réalises que t'es tout tremble. Genre, y a même plus de honte, là. C'est... t'assumes, puis tu fais comme « qu'est-ce que je fais ici? » T'es au tiers du chemin. Je suis au tiers du chemin. Là, il reste le 2/3. Je vire-tu de bord? Ou je continue? Puis là, on va comme « bon, on va voir. » Tu sais, peut-être qu'on a fait le plus rough, tu sais, comme au début de la montagne, puis qu'après, ça... Non. Non.
Au tiers du chemin, tu te dis déjà. Ouais. What have ah non, I mais done? C'est long le tiers du chemin. Là. On parle, ça nous a pris 2h15, 2h20 à peu près. Ah, c'est bol. Puis, tu sais, quand je dis une trail de marche, une trail de marche expert, c'est. Il y a des bouts pour monter dans la trail, il faut que tu prennes tes mains. Il faut que tu t'aides avec tes bras pour monter. Intéressant. C'est intéressant. À ce point-là. Mais on l'a fait. On s'est rendu. On a failli virer de bord au tiers. On a failli virer de bord à moitié. Puis après, on est allé all the way, finalement. Ils ont failli virer de bord au tiers, à moitié, au quart, au trois quarts, au deux quarts. Au huitième! Mont-Tremblant, ouais. Puis là, t'as Patoulel dans le chat qui dit c'est easy peasy. Non, pas pour quelqu'un comme moi. Tu sais, quelqu'un qui est moindrement en forme. OK, là, je dis pas que je suis carrément pas en forme, mais je suis pas... À part un sportif du clavier, là, je suis pas tant un sportif. Fait que je m'assume totalement. C'était vraiment un exploit pour moi de monter le Mont-Tremblant. Je suis vraiment, vraiment content de l'avoir fait, mais ça a comme downside que j'ai manqué la majorité de copains intercontinentaux, malheureusement. Je suis en train de le rattraper. En fait, ça fait tellement pas longtemps que le tournoi est joué que je regardais la date. Ça fait pas une semaine, en fait, encore. C'est pas tous les matchs qui sont publiés déjà, fait que j'ai pas réussi à tout rattraper. Cadium en ce moment a comme 48 écrans de pluggés, tout ça pour pouvoir regarder les reprises de la Copa Intercontinentale, plus la Crespa Cup, plus... Oui, oui, parce qu'il y a ça qui roule en même temps, évidemment. On va aborder ça tout à l'heure, de toute façon. Mm-hmm. Mais oui, c'est ça. Écoute, si là, je t'ai parlé de mon week-end, mais je veux te parler de ma semaine. J'ai eu une expérience extrêmement particulière, si tu me permets, sur le ladder de StarCraft. OK. Ouf. Fais-moi plus peur de même, man. Quoi? Moi, des histoires qui commencent par « Il y a une voix cette semaine, j'ai eu une expérience particulière. » Moi, je pensais que tu allais me parler des lumières dans le ciel. Non, 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 non. Non, non, ben c'est quasiment ça en fait, ça se peut pratiquement pas ce qui est arrivé. Patoulel dans le chat qui demande c'est quoi notre shape. Moi j'ai une shape de 2 litres, man. Une shape de 2 litres? Ouais. C'est quoi tes. Je bois beaucoup. Rond et allongé? Rond et allongé, c'est ça. Oh my god. Mais quoi que je serais peut-être plus 1 litre. Je suis pas si grand que ça. Fait. 1 litre. Oh Seigneur, quand même. Non, écoute, non, disons-le, là, je suis pas en shape. J'ai déjà été vraiment pire que ça. Ouais. Moi, on s'entend, j'ai pas un 6-pack, j'ai une caisse de 12. Fair point. OK. C'est bon. Ouais. Ouais, je suis capable de... Ouais. On relate. Ouais, ouais, c'est ça. Je peux carrément relater à ce statement-là. Tout à fait. OK. Oh, suffit de niaisage. Ouais, ouais, j'ai recommencé à faire de la 2v2 à StarCraft. Oh! Oui, parce que tu t'es tanné des Brésiliens. Non, ben c'est parce qu'on en parle aussi en 2v2, là, je veux dire, c'est même pas ça la question. J'ai recommencé à faire de la 2v2 avec l'autre co-leader, l'autre ancien co-leader de Team Killing Spree. On a recommencé à jouer ensemble, P-Mind, qui est plat 3, je pense, plat 2. Ok. Et moi qui est Diamond 2. Et à l'heure où on joue cette semaine, parce que lui aussi est à l'université, puis on peut pratiquement juste jouer tard, vers 11h30, minuit, sur le ladder, en 2v2, pas tant de monde que ça. Quand ça prend du temps à queuer, tu le sais que soit tu vas avoir une game vraiment facile, soit une game vraiment tough. Ou que tu joues à League of Legends. Ou que tu joues à League of Legends? Oui, parce que quand t'es genre Challenger ou Master, ça peut être long. Genre, j'ai déjà vu du monde attendre une demi-heure avant d'être mis in game. OK, ben ouais, on n'est pas là. Mais StarCraft 2 à minuit, 1h du matin, en 2v2, ça prend 7-8 minutes de trouver une game. Crime quand même. Ouais. Dépendamment du niveau, tu sais. Puis là, on a un MMR très très volatile. Fait qu'on pogne très haut, puis on pogne très bas. Ouais. Fait que la plupart du temps, c'est pas si long que ça. Fait qu'on joue une game, on se fait ramasser. Mais ramasser, là. Et on découvre, en fait c'est pas vrai, on découvre pas tout de suite, on suck up, puis on joue, on recue, on refait une deuxième game, on repogne les mêmes tout de suite. Et on te joue là, une game de fou, une game de malade, ok?
un espèce de gros plan de all-in dégueulasse parce qu'on a repogné les mêmes gars, puis on voulait juste comme se venger de ce qu'ils nous ont fait la game d'avant. On les bat. Et on se rend compte après que les gars sont GM. Les gars sont GM en Arcane. Oh my god! Puis ils sont tous les deux Master 1 en 2v2, puis c'est des anciens GM en 1v1. Le Protoss pompait 340 APM average. Puis on les a battus. C'était mon... c'est vraiment comme la coche là, de ma semaine, là. Ça a été ce moment-là. Sais-tu que c'est aussi crédible qu'une histoire d'Aliens, ça? Non, je te dis, j'ai le... Mais contrairement à une histoire d'Aliens, j'ai le replay pour le prouver. Ah! Et ouais, mais tout se fait sur Internet, montage vidéo, c'est... Ouais, mais non, pas comme ça. Ça, wow! Tu ne peux pas recréer une game comme ça. Wow! Vraiment. Même moi, j'ai pompé 280 APM, j'ai joué une game de fou. C'est bon. On les a repognés une troisième fois, puis on s'est refait ramasser. Mais tu sais, c'est comme... C'était cette game-là qu'on a joué, puis qu'on a gagné. C'était quelque chose. Tu peux dire que t'as battu des GM, man. C'est pas la première fois que je battu... OK, attends, on a pas parlé de ça, là. Moi, j'ai déjà battu Jig en 1v1. C'est vrai, tu me l'avais déjà dit, en plus. Ouais, oui, c'est vrai. Jig, qui est présentement, je pense, top 16 GM en Amérique du Nord. Mm-hmm. Puis, écoute, OK, c'est peut-être sur 40 games. Je l'ai battu une fois, là. C'est quand même une fois. C'est quand même une fois. Et c'est cette game-là qu'il faut se rappeler. Parce que c'est moi qui l'ai gagné. Comme ils disent, une fois n'est pas coutume et c'en est la preuve. Oui, effectivement. Parce que je suis pas mal sûr que je ne regagnerai pas. En fait, aujourd'hui, j'ai probablement plus de chances de gagner contre un GM que j'en avais il y a 2 ans. Mais c'est parce que Jing me donnait un petit coup de main, il m'entraînait. Puis il me donnait. Écoute, trouve des GM. Invite-les au party la semaine prochaine. I wish. Puis, ben, on essaiera. I wish. Ça serait cool. Ça serait coeurant. Pareil qu'écoute, parlant du party, ouais. Aussi bien... Nouvelle. Première nouvelle, j'aimerais vous rappeler que ce dimanche, au Nexus Smart Bar, aura lieu la première édition du tournoi Rocket League présenté par nous autres mêmes, les sportifs du clavier. 16 équipes. On est à 10 équipes d'inscrites. Il reste seulement 6$. C'est pas beaucoup. 6$. Il reste seulement 6. Il reste 6$. Je suis parti avec les 494 autres piastres du prize pool. Non, oh my God. Il reste seulement 6 places pour vous inscrire. Trouvez-vous un partner. C'est du 2v2. Il va avoir des très bonnes équipes. Il va avoir des équipes un peu plus average. Il y a... du fun pour tout le monde, single elimination, et le beau de cette chose-là, c'est ces random seed. Donc, les deux équipes les plus fortes peuvent se retrouver dans le même bracket. Ça serait chien, mais ça serait légal. Ça serait très drôle. Ouais, très drôle. Imagine, ils se prennent au premier tour, tu sais. DZG contre Diamond Gaming au premier tour. Pif paf, c'est déjà une des deux grosses qui part. Et voilà, puis ça ouvre la porte à d'autres gens. Fait que ça vaut la peine de venir essayer, sérieusement. Oui. Ça coûte 30$ par équipe. En fait, c'est 15$ par personne pour s'inscrire au tournoi. Et oui. Ce 15$-là, ça comprend une consommation sur place au Nexus. Fait que c'est... Puis une consommation, c'est à peu près 8$. Ouais, c'est à peu près, ça couvre à peu près la moitié de votre billet, en fait. Là. Oui. Puis, price pool de 500$, c'est pareil pour le top 3. Ouais, 320, 120 et 60$ pour les trois premières positions. C'est exactement. Au Nexus Smart Bar à Montréal, sur la rue Ontario. 323 Ontario Est à Montréal. C'est présenté en collaboration avec, bien sûr, le Nexus Smart Bar, la Fédération québécoise de sport électronique et Art of Versus, qui est notre commanditaire principal, qu'on remercie énormément de nous faire confiance. À l'animation sur place et sur Twitch, vous aurez la chance et l'honneur d'être en compagnie de moi et Cadium. Toute la soirée, on va vous runner ça. On va s'occuper du tournoi avec Vincent du Nexus. Et puis... Ah merde, j'ai juste 16 ans. Ouais, non, il faut être majeur. RIP.
Faut être majeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir suivre sur Twitch parce que ça va être streamé en même temps. C'est une des choses que j'ai postées dans l'événement. D'ailleurs, je pense qu'on peut aller. Je pense que je vais share l'événement. Ben, vas-y donc. Je vais aller chercher directement. Ben, écoute, pendant que tu fais ça, ça va être disponible sur notre chaîne. N'allez pas sur la chaîne du Nexus. Mais vous pouvez aller sur la chaîne du Nexus, mais vous allez être retourné sur la nôtre de toute façon, grâce aux magies du host de Twitch. Donc, ça commence à quelle heure, Cadium? C'est à de 17h, 17. Il me semble. Ouais, l'arrivée, c'est de 17, je pense que ça commence à 18. Les joueurs, oui, on s'est donné comme un certain buffer quand même. L'événement commence dimanche à 17h. Si vous êtes des joueurs, si vous avez l'intention de venir jouer, on vous recommande fortement d'être là d'avance. Donc 17h, c'est parfait. Yes. Et vers 18h, les matchs devraient commencer. Tout simplement. Tout simplement. C'est super simple, élimination simple, 2v2, vraiment, vraiment rien de spécial au niveau technicalité, là, règle. Non, Rocket League, c'est extrêmement, et là, je m'excuse du terme anglophone, c'est straightforward, il n'y a pas de complexité, il n'y a pas tant de map pool. J'ai ajouté un détail dans l'événement concernant le map pool, mais c'est vraiment pas un obstacle à quoi que ce soit. Pour ceux qui se le demandent, les maps qu'on va jouer sont toutes les maps standards, ouais. Sans Wasteland. Et le map pool est un groupe de maps. En fait, la façon que ça va fonctionner, c'est toutes les maps sont disponibles et c'est random. Et le perdant choisit? La première map est random? La première map est déterminée d'avance. Ah, OK. Il n'y a pas de random. Le perdant choisit, mais moi, je m'attends à avoir beaucoup de gens juste... reculer sur la même map, là, c'est vraiment pas un facteur, là. C'est plus un facteur de confort rendu là. Ouais. Il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise sur certaines maps, étrangement. Mais oui, ça se peut. Puis, oui. Cool. Ben c'est ça. Donc, c'est ça qui est ça pour le tournoi de Rocket League. On espère vous voir là-bas. Si vous êtes là, gênez-vous pas pour venir nous faire un fist bump pendant qu'on est en train de caster ça avec enthousiasme. Ça va être cool de vous voir. On a bien, bien hâte de pouvoir échanger avec vous autres là-bas. Moi, je vais être là en début d'après-midi pour commencer à setup tout le kit. Et Cadium va venir me rejoindre vers la fin de l'après-midi, je crois. Ouais, exact. Moi, je devrais être là vers 16h. Ça va être toute une soirée. Alors, on va avoir du fun en tabouir. Moi, je peux dire que je suis pas sorti dans un bar pour cette journée particulière-là. Depuis je pense que j'ai 20 ans. Fait que, hey, c'est-tu quoi? Hmm? Dernière quoi? Fois que je suis sorti dans un bar pour ma fête, là? Ouais. 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 C'était au Nexus. Puis c'était la première fois en plus. Oh my god. Plus ouais, jamais. On va essayer de s'organiser pour pas qu'il m'arrive la même affaire. Non, on va essayer effectivement. On n'en reparlera pas trop. Deuxième petite nouvelle qu'on voudrait vous faire, c'est vous rappeler que jeudi prochain. En fait, je regarde ça, là. On est. À quelques jours, que ça fasse un an jour pour jour que les sportifs du clavier existent. Donc la semaine prochaine, jeudi le 22. Jeudi le 22. Meltdown Montréal. Sportifs du clavier fêtent leur anniversaire en direct là-bas. Vous êtes tous invités. On remplit la place, on défonce. Je veux qu'il y ait un line-up dehors. Faut être majeur, malheureusement, encore Sorry. Une fois. Hey, faudrait faire de quoi à un moment donné qui n'est pas dans un bar. Oui. Parce que c'est vraiment... Je pense qu'on a un problème. Oui, c'est... c'est vraiment plate. On essaiera... Funzo, c'est-tu un bar? Le quoi? Le Funzo. Le Funzo. Ouais, c'est une autre place de gaming. Je sais pas Laisse-moi googler ça rapidement. Je sais pas si c'est un bar, mais anyway. On va s'arranger pour faire de quoi. Au pire, on ira au centre d'amusement des lapins crétins d'Ubisoft. What? On organisera une journée là-bas. Oh, my. Oh, ok. Je te laisse gérer ça. Tu me tiens au courant. Oui. Non, mais... On a une troisième cosplayer qui a été enfin confirmée pour notre événement en plus de KP. Ben oui, ben c'est quoi cette question-là? Si je t'autorise à prendre des photos, ben qu'un? Je veux dire, j'espère que tu qu'il va avoir des photos. Faut qu'il y ait des photos qui se prennent de cet événement-là. Ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment cool que tu sois là, M. Jago. Oui. On a une troisième cosplayer invitée. Je vous le dis comme ça, live en primeur. Mais je dis pas c'est qui.
Ah, oh, come Vous allez le savoir un petit peu plus tard. Quand que son costume, enfin son costume, j'aime tellement pas ça dire costume, ça paraît diminutif pour le cosplay, mais quand elle va m'avoir confirmé le personnage qu'elle va incarner, mais on. C'est bien dit. ça va être un personnage de League of Legends. Donc on a KP qui va être sur un personnage d'Overwatch, Kam-Kam Zoro qui va être sur un personnage de Smite, et notre troisième cosplayer qui va être sur un personnage de League. On va essayer d'en trouver une quatrième ou un quatrième. J'aimerais ça Ah, avoir ça un serait cool. gars, ça serait cool. J'ai reach out à la communauté, mais on va voir. On essaye aussi de pogner des joueurs. Malheureusement, le joueur qu'on avait invité a eu un empêchement de dernière minute. Il ne pourra pas être là, c'est triste. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc, on va avoir des prix à faire tirer. Non, c'est pas ça, l'entre-deux-geeks, c'est pas ça. On va avoir des prix à faire tirer, des chandails à vous donner. Ben, ça fait partie des prix, en fait. On va avoir un livre. Je sais pas si vous vous rappelez dans le temps de StarCraft 2, Heart of the Swarm. Il y avait eu un livre qui était sorti, une édition spéciale pour un artbook. Ça va être à donner, ça aussi. On va avoir, en tout cas, plein de stocks. Oubliez pas le concours, je dois le mettre sur Facebook. Parce que vous allez avoir une semaine pour nous soumettre les noms de chroniques pour la chronique à Alban. Parce que Cadium, t'étais pas Ah au oui. courant, mais Alban, j'étais tanné d'attendre. Donc Alban, sa chronique va être choisie par les fans. Et on va nommer le gagnant. Ah On va my God, donner. j'ai-tu le droit de participer? Ben non. Oh merde! Donc, mais tout ça pour dire, soyez là au Meltdown. Jeudi le 22, on fait ça de 5h le soir à God knows when. Quand il n'y a plus de monde, c'est là que ça finit. Ça va être cool, ça va être streamé aussi sur Twitch en même temps. Il n'y aura peut-être pas de l'animation tout le long de la soirée sur Twitch, mais il va se passer des niaiseries en avant de la caméra, c'est Ouais. sûr et certain. Ça va être vraiment cool, on va espérer que ce soit politically correct, parce que ça serait bien triste que notre chaîne se fasse ban parce qu'un épais qui a décidé de faire une niaiserie en avant de la caméra. Mais Mais pourquoi tu donnes l'idée? on va s'arranger pour qu'il n'y ait pas personne qui va là, en fait. Voilà. Donc, c'était tout pour les nouvelles. On va arrêter de perdre du temps et on s'en va directement vers l'une de nos deux chroniques de la soirée. Whoop! Problème. Excusez, on Oh. s'excuse. Pam 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 pam. League of Legends. La Yes. semaine dernière a eu lieu la pige pour déterminer les quatre groupes de quatre équipes qui vont participer aux Worlds qui auront lieu du 29 septembre au 29 octobre inclusivement. Hey, c'est long. Oui. C'est long comme tournoi, là. Ben, t'as 2 semaines de group stage, une semaine pour les quarts, une semaine pour les demi, puis une semaine pour la finale. Ben, une fin de semaine. Mais ouais. Du 29 au 2 octobre, ainsi que du 6 au 9 octobre, aura lieu les group stage à San Francisco. Parce que oui, cette année, les Worlds, on a la chance que ce soit en Amérique du Nord. C'est tout aux États-Unis. C'est tout aux États-Unis. Mais avec le crowd qu'ils ont eu à Toronto, je serais pas surpris qu'ils reviennent quand même au Canada éventuellement. Peut-être pas pour des Worlds, mais je serais pas surpris qu'on les voie revenir. Ensuite de ça, du 13 au 16 octobre à Chicago, ce sera les quarts de finale. Le 21-22 octobre au Madison Square Garden, New York. Hey. Hey. Hein? Au Madison Square King Garden. Yes, sir! Tabarouette. C'est big en tap, pareil, là. C'est big en tap, pareil. Aura lieu les semi-finales. Et les finales, le 29 octobre, au Staples Center de Los Angeles, là où avaient eu lieu les finales de la saison 3 aussi. Yes. Aura lieu la grande finale, qui risque d'être vraiment insane. Mais, on n'est pas là pour jaser de date, on est là pour jaser de viande. Et par viande, je vous présente. Ben oui, mais c'est de la viande, maudite affaire. C'est quoi? Voici un filet de poisson. Oui, voici un filet mignon.
Voici les quatre groupes. Calisse. Voici les quatre groupes séparés qui vont participer au Worlds le mois prochain. Et là, corrige-moi si je me trompe, il n'y a pas une équipe, il n'y a pas deux équipes d'une même région dans chaque groupe. Exactement. Right, ok. Exactement. Ils ont déjà expliqué pourquoi ils veulent faire ça. Je sais pas si c'est pour donner chance égale à tout le monde ou whatever. Mais, c'est parce qu'en même temps, c'est sûr que ça serait triste que les trois équipes de la Corée se rencontrent dans le même groupe. Exact, qu'il y en a une qui passe pas. Puis en même temps, ouais, je suis d'accord avec ça. Ça fait jouer des équipes qui ne jouent pas les unes contre les autres tout le temps. Puis ça fait, c'est un clash des régions, ça fait du hype. C'est ça. Je suis d'accord avec ça. Exactement. Donc, dans le groupe A, nous avons Rocks Tigers, G2 Esports, CLG ou Counter Logic Gaming et Albus Nox Luna. Donc, oh mon dieu, j'ai oublié de dire. Rocks Tigers qui représente la Corée, G2 Esports qui représente l'Europe, CLG l'Amérique du Nord et Albus Nox qui est une des équipes qui s'est qualifiée grâce au Wildcard Invitational. Dans le groupe B, on a Flash Wolf qui représente la Taïwan, SKT T1 qui représente la Corée, IMA qui représente la Chine et C9 qui représente l'Amérique du Nord. Dans le groupe C, on a EDG pour la Chine, AHQ Esports pour la Taïwan, H2K pour l'Europe. Oh mon dieu, les autres, j'aime pas. INTZ Esports ou INTZ Esports qui représente la dernière équipe, la deuxième équipe qui s'est qualifiée pour le Wildcard International. Et le groupe D, mais non le moindre, surtout un des groupes que les gens considèrent comme le groupe de la mort, en fait. Mais il y a pas mal 2-3 groupes de la mort dans cette histoire-là. On a TSM pour l'Amérique du Nord, RNG pour la Chine, Samsung Galaxy pour la Corée et Splice pour l'Europe. 4 très, très, très gros groupes. Il y a beaucoup de gens qui disent que le groupe B pourrait être le groupe d'amour juste parce que SKT T1 est dans ce groupe-là. Ouais. Mais c'est important de préciser que SKT était le third seed pour les Worlds cette année. Est-ce que je m'avance? Non, il était deuxième. Attends. Je vais aller confirmer ça parce que je suis plus 100% certain. Est-ce que SKT était troisième ou deuxième? My God. SKT, ils n'ont pas gagné de championnat. Ben oui. Ils ont gagné deux Worlds depuis. Ouais, non, mais je parle... Cette année, ils sont qualifiés avec les Championship Points, right? Ouais. C'est pour ça que je pense... C'est que Championship c'est Points ou il était... Ou c'est Galaxy qui était third seed? Écoute, Là, ça me gosse. Je pensais pas parler de ça ce soir, puis j'étais comme pas... C'est correct. Écoute, moi, j'ai d'en face les qualifiers de Corée du Sud. Puis, c'est vraiment... Tu vois, j'ai le gagnant du Summer Split qui est Rocks Tigers. Oui. Rocks Tigers, c'est les premiers. C'est les premiers. Puis, qualifié via les Championship Points, t'as SK Telecom. Puis, Samsung. Ouais, c'est ça. Mais là, j'essaie de me rappeler le maudit bracket, le Regionals. Attends, on va aller voir sur le site. On va y aller intelligemment. On va pas essayer de se stresser. Pendant qu'on jase de ça dans le chat, si jamais ça vous tente de prendre des prédictions pour le grand gagnant, on va pas vous demander vos prédictions pour les quatre groupes, mais donnez-moi une prédiction pour le grand gagnant des Worlds de cette année. Je le sais que c'est un shot in the dark, considérant qu'il y a quand même 16 équipes pour le moment. Ouais, mais 16 bonnes équipes aussi, là. Oui, mais ça va être quand même le fun. Faites hashtag LSDC espace suivi de votre réponse. Et on va la voir. Donc, c'est Samsung Galaxy qui était le third seed et SKT qui était le deuxième seed. Ça semblait que third, c'était un peu beau. Okay. Rocks qui sont premiers. Donc, dans le groupe A,
il y a personne, 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 personne qui pense que. Merci, Lady Billy, dans le chat. Merci, bravo. Allô. Bonjour à tous. Hey, vous êtes nombreux. Merci d'être nombreux. Pour ceux que c'est votre première fois sur les sportifs du clavier, on s'excuse cette semaine. C'est un épisode faible en gras. Faible en gras. Alors, je pense pas que je dirais ça. Non. OK, Disons qu'on est en désavantage numérique. c'est un épisode live. Live. Light. Oui, on est en désavantage numérique. J'aime ça. J'aime ça. Cook est en punition. Puis Terran, ben. Terran. Terran, il n'a pas eu le mémo. Oh, à cause d'une erreur technique de Facebook. Donc, normalement, on est quatre. Nous sommes juste deux. Donc, on fait un épisode un peu plus brouillon, un peu plus on a du fun, puis on s'amuse, puis on jase avec vous autres. Donc, groupe A, personne ne doute que Rock Steiger vont sortir de là les premiers. Il n'y a aucun doute. C'est vraiment eux autres qui sortent de là, premiers de leur groupe, c'est sûr et certain. Ensuite de ça, les deux gros. La bataille pour la deuxième place, en fait, ça va être vraiment entre G2 Esports et CLG. Tristement pour Albus Nox, ils sont dans le. Pas le pire groupe, mais ils n'ont pas eu le meilleur groupe pour eux. Pour espérer peut-être pouvoir gagner une partie. Je veux dire, y a-tu un bon groupe pour un wildcard qualifier, Le pour groupe vrai, C. là? Le groupe C en ce moment, là, il est atteignable. Là. Il pourrait avoir une victoire là. Mais quoi que je sais pas entre Ah, les deux. Non, 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 mais non. tu ADG trop sais, fort. Non, en il fait, peut-être le groupe A. C'est peut-être le groupe A avec. C'est parce qu'il y a déjà un wildcard qualifier, fait que c'est sûr que c'est un groupe relativement faible, le groupe C, tu sais, mais il pourrait pas être les deux dedans. Non. Leur seule autre option, c'est B ou D. Puis B, tu veux pas être là. B, tu veux pas être là, puis ouais, peut-être D. Même là, Puis ça D. peut être, tu sais, Royal Never Give Up. Puis Splice, TSM. qui, si je me souviens bien, a fini la saison vraiment en force. Ouais, Splice se sont qualifiés par le Qualifiers. C'est ça. Mais quand même, Splice, Donc, faut le premier choix, dire, tu sais. c'est une équipe que l'année passée était dans le Relegation Tournament, qui a réussi à gagner pour garder sa place dans le EULCS, et que cette année, ont quand même réussi à se Très qualifier pour bien. les Worlds. C'est très, très bon. Ouais, c'est un beau Retour. retour de situation. Ouais. Retour au groupe A, maintenant qu'on continue de s'éparpiller. Pas grave. Ben non, c'est correct, on aime ça de même. Rock Tigers. Premier seed de la Corée. G2 Esports. Premier seed de l'Europe. Non, ils ont perdu leur premier seed. Attends une minute. Je continue de dire des niaiseries. Bout de vierge. J'haïs ça quand je dis des niaiseries de même. Est-ce que G2 ont perdu leur premier seed? Je pense que oui, à cause de. À cause de leur performance à MSI. Je suis pas mal certain qu'ils ont perdu leur premier spot à cause de ça. Je vais aller vous chercher l'information véridique, encore une fois. Si. Moi, tu vois, pendant que tu vas chercher ça, là, je sais pas où est-ce que tu vas chercher ces informations-là, en fait. Tu sais, OK, les seeds puis tout ça, mais tu peux pas vraiment comparer. Oui, tu peux seeder une équipe sur la base de ses points, mais je veux dire, même Europe-Amérique du Nord n'ont même pas eu le même système cette saison-ci. Tu sais, en termes d'accumuler des points, puis le classement, puis tout ça, je veux dire, la méthode à la base de jouer les matchs n'était pas la même. Fait que je sais pas, est-ce que c'est un classement maison que des experts ont fait, exemple, Ah non, pour mais dire tel seed, tel seed, ou quand il tu parle de checkes vraiment seed, c'est vraiment dans la région dans la spécifique. région spécifique? Ok, Oui. ok. Fait que moi, tu vois, G2A, faudrait que je te donne le link. Peut-être que c'est là que ça Ben, pourrait t'aider, en G2 fait. Esports ont été les champions du Summer Split, donc C'est c'est ça. le premier seed. C'est ça, c'est ce H, que je. H, Okay. ouais, H2K, plus haut, plus gros nombre de points, donc le deuxième seed, et Splice se sont qualifiés par les Qualifiers. Exact. Raison pourquoi je me mélangeais et pourquoi je disais que G2 avait perdu quelque chose par rapport à leur classement et leur ce qu'ils ont fait à MSI, c'est ils ont per...
À cause de leur performance à MSI, ils sont retrouvés dans le pool 2. Parce que normalement, le pool 1, c'était 4 équipes, selon les classements, se retrouvaient là pour être dans la première pige, les premiers pigés de chaque groupe. Donc, en fait, ces équipes-là, je viens de comprendre c'est quoi les poules. Je me posais la question, j'étais pour te la poser. OK, ben gars, on... dit, ces teams-là, les quatre teams qui sont dans le pool 1, sont assurés de ne pas se retrouver les unes contre les autres dans le group stage. Ils ont un groupe chaque. Exact. Right? OK, c'est ça. Parfait. C'est exactement ça. Écoute, c'est beaucoup plus complexe que ce à quoi je m'attendais. Tu sais que je ne suis pas tant la scène de League écoute. Que ça, mais c'est extrêmement complexe. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, je vais sortir mon petit plan, puis on va vous remontrer ça. Toi, ça vaut aux ardoises. Oui. De la façon que les piges ont été faites, oui. 4 groupes, 3 poules pour la pige. Okay. Dans le pool 1, on avait les premiers seeds pour la Chine, la Corée, Taïwan et l'Amérique du Nord. Mm-hmm. Dans le pool 2, qui était pour la deuxième et la troisième équipe de chaque groupe. Okay. On avait la première, la deuxième et la troisième... la première et la deuxième de l'Europe. Ensuite de ça, le deuxième et le troisième de la Corée, le deuxième et le troisième de la Chine, le deuxième de l'Amérique du Nord et le deuxième de Taïwan. Voilà. Dans le pôle 3, on avait le troisième de l'Europe, le troisième de l'Amérique du Nord... et les deux wildcards. Et c'est pour ça que le groupe B est un groupe de la mort, parce que l'équipe du pool 3, c'est Cloud9. Ouais. Wow. Ouais. C'est exactement pour ça que moi, si personnellement, je considère le pool B comme le groupe de la mort, mais là, on va revenir. Donc, G2 Esports, on revient. Groupe A, premier seed Corée, Rocks Tigers. Premier seed européen, G2 Esports, deuxième seed nord-américain CLG et une équipe Wildcards. Rocks Tigers, ma prédiction à moi, Rocks Tigers, CLG vont être capables de sortir de là. Ça va être difficile pour CLG. En fait, ils doivent jouer le meilleur League of Legends qu'ils ont jamais joué s'ils veulent sortir de là. Je crois qu'ils vont être capables, mais ça va être difficile. Mais en tant que personne qui veut que l'Amérique du Nord performe bien, je vais laisser parler mon cœur et je vais mettre CLG là. Ma tête me dit que G2 Esports va sortir deuxième, mais mon cœur veut que CLG soit là, donc on va dire CLG. Le groupe B, qui tant qu'à moi est le groupe de la mort, mais en même temps est le groupe qu'une équipe Amérique du Nord a de très bonnes chances de s'en sortir, c'est le groupe B. Flash Wolf, qui est la première équipe de la Taïwan, mais qui n'est pas si une région qui est si forte que ça. C'est pas genre des Mongols dans le jeu. On les salue. Non, mais je veux dire, ils sont pas si forts que ça. Okay, ouais, fait que le premier seed de la Taïwan, je veux dire, selon moi, il est moins bon que le troisième seed de la Corée. Carrément. Fac, ça donne des chances. SKT T1, qui a été le deuxième seed de la Corée. Très, très, très grosse équipe. IME, troisième seed de la Chine. Et Cloud9, troisième seed de l'Amérique du Nord. Dans ce groupe-là, mes prédictions, C9 deuxième et SKT T1 premier. Et là, je ne laisse pas parler mon cœur. J'y vais vraiment avec ma tête. Parce que Cloud9, toute la saison, n'ont pas arrêté de s'améliorer. Et là, c'est leur chance de prouver ce qu'ils sont. Ils vont être capables de battre Flash Wolves. Ils vont être capables de battre IME. La seule chose qui peut jouer contre eux, c'est les matchs entre Flash Wolves et IME. Si ça finit 1-1, d'après moi, C9 passe facile. Mais encore là, c'est un autre groupe que rien n'est joué. C'est ça qui est le fun cette année. Tous les groupes en ce moment sont tellement, tellement serrés que tu sais jamais qui va sortir de où. Non, c'est ça. Groupe C, on a EDG ou Edward Gaming qui était le premier seed de la Chine.
AHQ Esports qui a été le. Ben, qui se sont qualifiés. Qualifier, Ouais. ouais. Mais il y avait juste deux seeds là, en Taïwan de toute façon. Exact. H2K qui était le deuxième seed de l'Europe et INTZ qui était la deuxième équipe Du du wildcard. wildcard. Là, je m'excuse, l'Europe n'a aucune chance. C'est Ah oui. EDG et AHQ. Carrément. Carrément. Je veux dire, ce groupe-là, c'est dessiné d'avance. C'est comme le seul groupe que. Aucun doute là-dessus, qui passe, qui passe pas, c'est ça. À moins d'une énorme surprise et que Forgiven joue comme un fou, les DC d'H2K, il n'y a aucune chance qu'il sorte de là, vivant. Genre, zéro pin bar. Et le groupe D, TSM, RNG, Samsung, Galaxy et Splice. Donc, TSM, premier groupe de l'Amérique du Nord. RNG, qui était le deuxième seed de la Chine. Samsung Galaxy, qui se sont qualifiés par les qualifiers. Pardon. Pour la Corée. Et Splice, même chose pour l'Europe. Encore une fois, l'Europe n'a aucune chance dans ce groupe-là. Beaucoup de gens disent que TSM vont passer. Facile. J'ose le croire. Ça va être difficile. C'est un autre groupe. C'est le deuxième groupe qui va être très difficile dans le tournoi. C'est le groupe D. Parce que, encore une fois, je pense qu'un troisième seed de Corée peut être facilement meilleur ou équivalent à un premier seed nord-américain. Bien que TSM, cette année, ont été plus que dominants. On ne peut malheureusement pas comparer leurs performances contre des équipes nord-américaines à des performances contre des équipes internationales. En fait, même pire qu'internationales, de la Corée. C'est là qu'on va être capable de voir à quel point TSM ont été forts et si, ou si tout simplement, l'Amérique du Nord est vraiment une région de merde. Ouais, attends là. Attends. Tu peux pas prendre. Non. Si Une t'es. performance à un tournoi pour mettre toute une région dans un panier. Si TSM, l'équipe qui a dominé au complet sa région, s'ils se font 2-0, là je dis 2-0, si ils sont 2-0 contre le troisième seed de la Corée, non, ça va être une déception énorme. Attends, je veux voir, ils ont fait quoi? Leur dernier résultat, eux autres, ils ont gagné. 17-1. Ouais, 17-1. Non, je comprends tout ça. Comment ils ont fait dans les éliminatoires? Dans les playoffs, ils ont battu C9 3-1, sinon 3-0 contre CLG. Gagné? Puis contre C9, C9 ont gagné la première game de façon vraiment convaincante, mais les trois autres games de la part de TSM, ça a été des stomps. Clean cut. Oui, Ok, il y a ben. eu des belles fights, là, on s'entend, il y a eu des fights qui étaient serrées, mais la victoire était vraiment, vraiment, vraiment comme évidente pour TSM. Sais, pour vrai, c'est la balle de ce groupe D-là est vraiment dans le camp de Splice. J'ai le goût de dire. C'est Splice qui va faire le groupe. Splice peuvent faire la marde. Splice peuvent vraiment foutre la marde. Si Exact. Splice réussit à gagner une game contre RNG, tout est permis dans ce groupe-là. Ouais, même pour Splice, honnêtement, là. Tu sais, j'entends pas beaucoup parler de League of Legends, mais j'entends parler de Splice. En termes de momentum, en termes de, comme tu disais, le gros comeback, ils étaient en relegation, ils sont revenus, ils ont réussi à se qualifier pour les Worlds, qui est dans le monde de League of Legends comme un accomplissement déjà juste d'être là. Là, ils ont Samsung qui Oui, qui est une équipe de Corée. Là, de l'autre côté, t'as Team Solomid qui. Tu sais, la peur que j'ai toujours avec les équipes d'Amérique du Nord, et c'est la même peur que j'ai toujours avec les joueurs de StarCraft 2 d'Amérique du Nord, tu peux dropper le swag à chaque fois. Fait que Splice, je suis en train de regarder l'ordre de leur match, là, tu vois. C'est dommage pour eux, parce qu'ils vont juste jouer la troisième journée contre TSM. Si le tournoi avait commencé Splice contre TSM, puis que Splice bat TSM,
non seulement c'est fini pour eux, mais Splice, là, c'est le momentum qui s'envole. Ouais. Ça aurait pu faire leur tournoi. Je découvre l'horaire des matchs en même temps que je te parle, là, mais... C'est... Ouais, je comprends. Je suis comme déchiré. Le groupe de la mort, là, je suis pas sûr. Comme tu dis, je pense qu'il y en a deux. Ouais, une des grosses équipes Cendrillon du tournoi, par contre, c'est Aimé. Pour ceux qui ne connaissent pas, je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne regardent pas vraiment ce qui se passe en Chine. Aimé, en 2016, donc cette année, se sont qualifiés pour participer dans la LPL, qui est la Ligue de la Chine. Right. Donc, c'était leur première année dans la LPL. Oh. Et se rendent aux Worlds à leur première année. Un peu comme C9 l'avait fait en Amérique du Nord. Mais là, en 2016, le 28... c'est ça? Attends une minute. Ouais, c'est ça. Non, le 28-18, ça c'est le Regional Qualifier, ils sont qualifiés là. Ouais. Mais cette année, c'était vraiment leur entrée dans le LPL. Ils réussissent à se rendre au World, ce qui est extrêmement fort. Là. C'est vraiment... très impressionnant. Tous les yeux du tournoi sont tournés vers Faker, le fameux joueur de la mid lane de SKT T1. Mais, personnellement, le joueur que je vais regarder, moi, c'est Meteos. Parce que je m'obstine. Oui, c'est le jungler de C9. Je m'obstine avec beaucoup de gens comme quoi que C9, Meteos est probablement dans les meilleurs junglers en Amérique du Nord. Les gens disent tous que c'est un sell-out qui est fini, qui est blablabla, blablabla. Meteos avait droppé de l'équipe l'année dernière. Ah, il avait pris sa place. Et là, c'est pour ça qu'il y avait eu comme bien du monde qui chialait, comme pas qui chialait, mais qui riait un peu de Meteos et ces choses-là. Puis là, il revient cette année. A eu dans les meilleurs stats des junglers. Et là, j'ai hâte de voir parce qu'il dit qu'il a beaucoup appris sur son jungling style et ces choses-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment il va se débrouiller contre des très, très gros midlaners. Pas midlaners, mais des très gros junglers. Parce que même dans le temps où Meteos était dans son prime, certains junglers disaient qu'il était dans les meilleurs au monde. Encore une fois, si mon cher ami Noddle m'entendait en ce moment... il serait en train de se rouler à terre et dire que j'étais un estime imbécile. Mais c'est quand même vrai. Dans ce temps-là, il était excellent. J'ai hâte de le voir aller contre Blank, qui est le jungler de SKT. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Faut dire que Meteos a été un des seuls junglers cette année à être capable de shut down le jungler de Immortals Rainover, qui normalement roule sur tout le monde, et Meteos était capable de le shut down. Dans certaines parties, Meteos l'a laissé rien faire, c'était de toute beauté. Fait que tant qu'à moi, ça va être une des grosses, un des gros match-up que je vais regarder, c'est vraiment ça. Ouais, tu vas être servi rapidement parce que c'est carrément jour 2, c'est leur premier match. Nice. Contre SKT. Nice. Bon, ça va peut-être commencer le tournoi, c'est une mauvaise note. Ben c'est ça, c'était League of Legends, puis surtout des tournois comme ça, c'est souvent une question de momentum. Oui, puis là, en ce moment, les joueurs sont tous en bootcamp en Corée. Le décalage horaire va être comment? Est-ce que les joueurs nord-américains vont revenir plus vite? Est-ce que les joueurs coréens vont revenir ici et ensuite de ça vont être brûlés tête à cause du décalage horaire? J'ai bien hâte de voir à quel point ça va avoir un impact sur des équipes internationales comme ça, parce que ça peut jouer énormément, beaucoup. Ça peut être un gros, gros, gros impact. Et sinon, les deux équipes wildcard, on va se le dire, s'il y a au moins une des deux équipes qui gagne une game, ça va être bien. Puis s'il y en a qui gagnent deux games, ça va être fou. Puis s'ils réussissent à passer le group stage, ça va être totalement insane. Ça va être une surprise de fou. Ça va mettre le feu. Mais on sait jamais. C'est ça qui est le fun. On sait jamais. C'est sûr que pour INTZ, tant qu'à moi, on oublie ça. Leur groupe est vraiment trop fort. Mais Albus Nox. Albus Nox. Mettons un 1-1 CLG G2. Ouais, je vois où est-ce que tu t'en vas là. Albus réussit à gagner une game. Rocks Tiger contre une autre des équipes, c'est 1-1 aussi. Puis ça peut être fait.
on peut voir un G2 ou un CLG gagner une game contre Rox. Si Albus gagne une game contre une de ces équipes-là, on peut se ramasser à des tiebreakers qui vont mener à peut-être une qualification d'une équipe wildcard. Je ne pense pas que ça va arriver, on va rester quand même les deux pieds sur terre, mais pour le value du show, ça serait vraiment cool de voir ça arriver. Fait qu'imagine, day one, là, dans le groupe A, Albus Nox prend une game à Rox Tigers en partant. Impossible. Ah. Et tu parles du premier seed de la Corée. Ah, c'est les Coréens. Ah, excuse. Non, ok. Non, my bad. Ouais, c'est Flash Wars qui est Taïwan. Ok. Excuse-moi. Ouais. Ah non, ça c'était. Ouais, ça a beaucoup moins de sens déjà. Oh my god. Non, c'est impossible. Impossible. Mais écoute, si ça arrive, je vais être là. Je vais tomber en bas de ma chaise. Là. Sait-on jamais. Regarde. C'est les deux teams là, dans les 16 teams que t'as présentement dans les Worlds. Moi, je te dis, j'entends parler de Splice. Puis j'entends parler d'Albus Nox. Oui, j'ai entendu ce nom-là courir un peu partout. Parce que c'est l'une des équipes des Wildcards. Je sais qu'on dit ça à chaque année à propos d'une équipe Wildcard quasiment. Mais c'est vraiment l'une des équipes qui est l'une des Wildcards qui a le potentiellement le plus de talent depuis le début des Worlds. Je sais que, t'sais, on se rappelle l'année passée, Kaboom Esports qui ont réussi à faire de quoi d'impensable, qui ont réussi à battre, mon Dieu, c'était quelle équipe? Elements, qui ont fait en sorte qu'une autre équipe avait passé, ça avait fait un tollé. Donc, ça peut arriver, ça va être très difficile, mais ça peut arriver. Puis ça, c'était pas l'année passée, je pense que c'était l'autre d'avant. Mais, rien n'est joué, et c'est un peu tout ce qui conclut les Worlds pour cette année. On va en rejaser éventuellement, mais que ça commence. Mais pour là, j'ai une petite vidéo que je voudrais vous présenter. On a un nouveau champion qui a été teasé dernièrement dans League of Legends. Ah ouais, donc. Il s'agit d'un personnage du nom de Ivern ou Ivern, le Friend of the Forest. Votre sommité Alban de RDS est maintenant présent dans le chat. Bonsoir Alban. Je ne sais pas à quoi m'attendre de ce personnage-là. Ça va être spécial. Je pense que ça va être un support juste parce que c'est comme le Protector of the Forest. Ça serait très drôle que ce soit un jungler. T'sais, on s'entend que ça ne ferait pas vraiment de sens que quand tu vois quelqu'un qui empêche quelqu'un d'aller jungler puis tuer des petits loups, ben, ça ferait pas de sens qu'il soit un jungler. Je fais une parenthèse. J'aimerais dire la plus grande des félicitations et le plus grand des bravos et le plus grand des fuck you, je t'envie, mon sale. Hein? Notre cher ami Alban, ouais. Des sportifs du clavier, ainsi qu'à Étienne Gentleman Veilleux, qui font maintenant partie de la grande équipe d'RDS et qui vont parler de e-sports sur les ondes d'RDS. Là, l'épisode était ce soir de façon pas unique, mais c'était un... j'en perds mes mots. Normalement, c'est les vendredis. Puis là, exceptionnellement, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'était ce soir. Et Alban a paru aux côtés de Gentleman à l'émission Mise au jeu pour parler de e-sports. Et corrige-moi si je me trompe, Alban, ça je ne le sais pas, mais je sais que Étienne fait partie maintenant de l'équipe du 5 à 7 aussi, qui vont parler de e-sports pendant le 5 à 7 avec les deux gars du 5 à 7. Je ne sais pas si Alban en fait partie, mais tout ça pour dire félicitations, je vous envie, messieurs. Je vous envie énormément, en fait. Mais continuez de représenter notre belle gang de e-sportifs ou de sportifs du clavier aux ondes RDS. C'est
vraiment hot. Non, mais Alvin, en fait, je me demandais si toi, t'allais en faire à Étienne, je le sais. Toi, je sais pas. Mais voyant comment tu l'as dit, juste il, c'est seulement toi. Donc, félicitations, messieurs. C'était ce que c'était pour Evern. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, messieurs et dames qui nous écoutent, d'un groupe du nom de Pentakill. On va jouer une petite toune. Si vous avez aimé le premier album de Pentakill, je suis très heureux de vous annoncer que un deuxième album est présentement en préparation et qui sera disponible le mois prochain. Ça, écoute, je ne peux qu'être heureux. Je pense que juste pour les biens de la cause, et si jamais on se fait claimer des copyrights, ben ça va avoir valu la peine. Parce que, my god, que c'est bon du Pentakill. On va faire écouter une petite partie. Là, c'est Lightbringer qui joue. Je vais vous faire et je vais vous faire écouter une petite partie d'une chanson qui s'appelle Deathfire Grasp. Du bon vieux heavy metal solide. comme dans le temps. Ouais, Donc, le mois prochain release de l'album de Pentakill. Maudit que j'ai hâte. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler. Le premier album s'était appelé Smite and Ignite, qui est dans le Dear Summoner Spell. Donc, j'ai hâte de voir comment que le prochain album va s'appeler. Merci à Cook pour la nouvelle. Parce que j'étais... Flash and Cleanse. Comment? Je trouverais ça vraiment Flash horrible and comme nom. Cleanse. Oh non, c'est ça, Ghost and Cleanse, ou quelque chose comme ça. C'est deux summoner spells complètement nowhere qui fit pas avec le métal. C'est Ignite, Smite, Cleanse. Ça marche pas. Rip Mana Potion. Ouais. Rip Mana Potion. Donc, je sais pas si vous êtes comme moi et que vous attendez cet album-là avec impatience, mais maudit que j'ai hâte. Sais-tu qu'est-ce qui serait hot? Moi, je l'avais callé pour la première fois Une quand. poutine live là, là. Oui, ça, oui, Ça effectivement, ça serait serait bon hot. en tabarouette. Mais non! Calice. Quand le premier album est sorti, j'avais dit, Asti, que ça serait mongol, je m'excuse de mon langage, que ça serait fou un show de Pentakill pendant l'ouverture des Worlds. Ils vont-tu faire ça? Je sais pas, mais là, Ah, l'album, si l'album sort le mois prochain, c'est Ah en oui. plein dans le début des Worlds. Tiens donc. Imagine un show live pour le release de l'album. Ouais, comme dans les finales ou quelque chose comme ça, là. Oui, la finale. Ben, à chaque début de finale, il y a un gros show. Tout le temps. Et là, ça serait fou. Hey, je pense qu'on va organiser une soirée pour les finales. Faut que je me trouve une place, là, on va essayer de faire ça à quelque part. But whatever. C'est cool. Ouais. Donc, ça serait débile d'avoir un beau petit un petit show un petit show de Pentakill là. Mais bon, j'ai assez parlé, je me ferme la boîte, c'est le temps d'aller. Ah! Ah. Hop, my Monsieur! God, les loups sont de retour. Les loups sont. Ok, tu m'as droppé des loups par-dessus. Ouais. Wow! Il y a Patoulel qui dit Yo! Pas dans un bar, je veux venir! Ouais, il y a Non, non. beaucoup de choses qui se passent dans des bars maintenant Oui, avec non, mais l'export de pour les temps. finales, ce serait cool d'essayer que ce soit pas dans un bar. Genre louer une petite salle à quelque part, puis faire ça. What? What? Wow! C'est un misclick, my bad. Colique. Je suis désolé. Un sponsor. Oh my god. Sorry, l'entrée du geek. C'est vraiment un peu misclick. J'ai essayé de copy-paste quelque chose dans le chat, puis Hey j'ai boy. cliqué sur ton nom. Fait que Hey boy. voilà. Comme je disais, ça serait cool de louer une salle puis de faire de quoi dans une salle pour ça. Inviter les gens. Une belle petite salle. Puis
Boy. Katia. Tu voulais nous parler de hashtag Dead Game. De hashtag. Come on. Come on. Non, c'est pas. Non. StarCraft 2. Je veux te parler de la coquinerie qui s'est passée dans StarCraft dans les dernières semaines. On commence avec ça, là? Tu veux pas parler de la Copa América en premier? Ben oui, je vais commencer par la Copa, mais ça fait partie de ça parce que. Pourquoi j'ai tout le temps Copa América? C'est Copa intercontinental. J'ai dit Copa América ou tu t'as dit Copa América puis j'ai continué. Bref, peu importe. Copa intercontinental, effectivement, yes. Donc, qui était censé être le dernier événement du WCS de cette saison. Et c'est là que tout devait se décider pour les classements et ainsi de suite. Et là, en allant voir la page des standings du classement pour le Championship Series, le circuit, je réalise qu'il y a comme une colonne qui s'est rajoutée dans les scores. Je m'en vais sur Team Liquid, je commence à faire mes petites recherches. Ben oui, on vient de nous rajouter un tournoi. Fait qu'on va parler de ça aussi. Hey, ça, là. Écoute, complètement, je suis flabbergasté complètement par cette décision. C'est tellement stupide. Ok, j'irai pas aussi loin. Je suis content. Non, c'est stupide. Attends. Non, on va voir les deux côtés de la médaille. Attends, on va parler de Copa Intercontinental en premier parce que c'était un tournoi qu'on devait surveiller pour le classement du circuit. Il y avait beaucoup de joueurs qui sont déjà dans le top 8 qui étaient qualifiés. On s'attendait à ce qu'ils sortent de façon très forte. Mais il y avait Uthermal qui avait une forte chance de se qualifier. Ben, une forte chance. Je dis une forte chance parce que, exactement comme League of Legends, dans les tournois, les séries de tournois, il y a un gros facteur de momentum qui se met en jeu pour les joueurs. Quand tu gagnes, tu continues de gagner. Très souvent, et même pour le joueur moyen sur le ladder, c'est comme ça. Tu es dans une série, tu es confiant, tu es fort. Uthermal, c'est ce joueur-là présentement. Uthermal, au début de la saison, tu parles de pratiquement rien. Tu parles de quart de finale, tu parles de quelques bons classements. Et là, tu as Uthermal, le joueur néerlandais, qui sort du classement out of nowhere, qui vient chercher IEM Shanghai, qui marque 1000 points au classement. Et ça avait été mongol. C'est fou, complètement fou. Et ce gars-là vient se faufiler, et là, il est en 11e place, considérant son classement justement à Copa Intercontinental. Il est à 80 petits points de déclasser les joueurs qui sont à égalité en 8e place présentement. Bon. Tout ce qu'il fallait pour lui, et c'est une grosse commande quand même, c'était faire la finale. Malheureusement, il n'a pas réussi. Uthermal s'est fait sortir 3-1 en demi-finale par Showtime. Qui est quand même pas n'importe quoi, là. Non, qui est pas n'importe qui, mais je veux dire, il a pris une game à Showtime. Après ça, tu vois, on aurait dit que le momentum s'était brisé parce que on regardait le bracket au tout début. En tout cas, moi, je regardais le bracket. Uthermal se tapait Hydra au premier tour. Hydra, qui est un joueur coréen qui est très, très fort, qui est un coréen naturalisé américain. Ouais, c'est ça. Mais qui a quand même une forte puissance. Puis t'as une victoire de Uthermal 3-0. Bam! T'as ton momentum qui part. Il a été chercher une game à Showtime et il a pas gagné après. Il y avait un match de 3e place et il s'est fait sortir 3-0 par Nib. Ça a été un balayage en dessous du tapis du salon. Puis même, tu vois, Nib lui-même, ça a vraiment pas bien été contre Snoop. Il y a eu une grosse, grosse domination du joueur Zerg. D'ailleurs, on a quelque chose, une oui. de ces parties-là qui s'est soldée de façon vraiment unorthodoxe, j'ai envie de dire. Et c'est la faute à Nib. C'est la faute à Nib parce que c'est Nib qui a laissé cette fameuse map. Je sais pas si tu te souviens, au WCS Summer, Scarlett a fait ce build contre Puck. C'est exactement le même jeu, un proxy hatch. Quand j'ai vu la vidéo, ouais. J'ai fait comme « Hey! Il a été chercher ça du playbook de Scarlett, le sale! » Exactement. Et il y a toute une histoire en arrière. Nib qui a admis avoir fait cette erreur-là dans ses sélections de maps, je ne sais pas si c'est une erreur d'attention ou
quelque chose de volontaire, il a juste vraiment vu les maps qui restaient, puis il a dit « Oh non, je veux pas celle-là, je veux pas celle-là. » Il a ban, et ça automatiquement laissait... je pense que c'est Dasan Station que ça s'appelle, c'est une map où les deux joueurs commencent de façon extrêmement rapprochée et ça ouvre la porte à du jeu un petit peu saugrenu de la part des orcs. Donc je sais pas si tu l'as, on peut le montrer maintenant. Ouais, on va montrer la vidéo à l'instant. On montre l'intégralité du match. Ouais. Inquiétez-vous pas, ça dure pas très longtemps. Ça dure à peu près 25 minutes. Ça dure à peu près 3 minutes. Oui. Restez avec nous, on vous revient tout de suite après. Oh my gosh. Okay, no, this is really cool. Okay, so what Neeb was saying backstage is that he chose this map. This was his map choice, which was really surprising because you wouldn't expect the Protoss to pick it. And he was saying, oh, I can't believe I did that. That was a mistake. But Snoot was sitting very nearby. So I don't know if he was being coy, trying to throw out misinformation. But both players going for very unorthodox openings. A Nexus first for Neeb and a Proxy Hatchery for Snoot. This is absolute madness. And that's behind those back rocks. Do you think this is a Spine Crawler rush? Yeah, right? Absolutely. I think it's Spines, Queens, and Lings. And let me tell you, Pig, I've played against this quite a few times. I think Neeb has as well because he plays an NA ladder. I find this incredibly hard to play against if you don't scout it immediately. This is sick, disgusting, and really, really hard to beat. Man, if Neeb is able to hold this, I will do a shirtless Zerg stream. In 3 months from now, I need a couple workout days. Okay, wall the top of his ramp, I think. Impossible. I don't know what he can do. The forge isn't even finished. The spines are already in range of it. Oh no, he's going to lose the gateway. Overcharge does go down. That's okay. A good fault on overcharge. But I mean, okay, cool. You killed a couple Zerglings. You still have 3 spine crawlers in your natural. You know, what are you supposed to do? And the biggest thing is, eventually he will lose the cybernetic score. And because he loses the cybernetic score, he will not get warp gate technology. He's trying to build a robo and some cannons in the main base, but this natural is gone. It completely depowered. The Zerglings diving into the main. The cannons aren't going to get time to finish. The Adepts getting surrounded. Every single probe being pulled off the line. Neeb is so desperate. So many going down. The cannons finish. Yeah, that's 3 cannons, but only a single pylon. No, Artosis. Actually, 2 more cannons. Are powered, but I don't think it's enough. Those spines do massive bonus to armor. The Zerglings flood in, only 1 cannon remaining, and it's all but over. Oh my gosh, Snoot just pulling out the crazy cheese here. Neeb caught completely unawares, and I mean, he's only got Zerglings. He's got 1 cannon in the middle line. Okay, I mean, Neeb is doing a really good job, but it doesn't change the fact there are still 3 spine crawlers in his main base, and he will never, ever, ever be able to expand until he gets like Tempest to clean up these spine crawlers and then a robotics facility for Observer. So I think it was a really good, valiant effort by Neeb, but I think if you scouted that late pick, I'm sorry, but it's all over. Yeah, I don't know if he can do too much from here. The Zerglings are going to focus down that extra cannon. Those spines moving into range of the Nexus. All the cannons are going down. There's only that one in the back. Nice probe defense from Neeb, but I mean, it's just too little too late at this point. That overcharge isn't even in range. The spines are starting to deal damage to that Nexus, and I think Snoot's made it. I think he's made it happen, man. Snoot, why are you doing this? Now I got to scout for proxy hatcheries in the upcoming 4 weeks again in every single game I play on this map against Zerg. This is a very gross build, because it's not easy for Protoss to scout this. Meanwhile, Zerglings will get on top of that cannon. Neeb is doing whatever he can, but you know, let's not create any fake hype here. With these spine crawlers chipping away the Nexus, this game is about to end, and Snoot just made life very hard for all the Protosses out there. Snoot just pulling out the cheeky build. All right. Ah! Voilà! Tu y es, oui, voilà. J'y suis. On me demandait si on était coupé. Ouais, non, c'est ça, c'est King Sejong Station et non pas Dazan Station. Donc, on entendait Rotterdam, les commentaires en anglais qui disaient... Qui va faire un shirtless Zerg stream. Ouais, si le joueur Protoss réussissait à s'en sortir. Malheureusement. Ou heureusement, un était, des deux. Ce qui était à peu près impossible, honnêtement, là. C'est le genre de build que quand tu scoutes pas, si c'était pas un tournoi, si c'était une game de ladder, il serait parti beaucoup plus rapidement. Ça aurait été un surrender rapide aussi, je trouve ça très drôle. Et c'est vrai aussi pour les autres jeux, pour League of Legends, les tournois font le méta aussi. Donc Rotterdam qui dit je vais être obligé à cause de toi de scouter partout autour de mes bases pour les 4 prochaines semaines, parce que tout le monde va se mettre à faire des proxy hatch avec triple spine. Oui. Je vais essayer moi-même de le faire, peut-être, pourquoi pas. Wow, l'entre du geek qui donne 5$. Oh! Merci beaucoup, l'entre du geek qui dit je vous pardonne le random ban pareil, mais j'ai vraiment envie d'acheter des bonbons salés Acadium pour me venger, PJ Salt, PJ Salt, PJ Salt. Merci, l'entre du geek. Oh my god.
Ben, en tout cas, l'entre du geek, si jamais vous êtes là la semaine prochaine, vous allez pouvoir avoir un Cadium on the Rocks salé. Ah, c'est que j'ai hâte. Bon, oui, ça va être fou, ça. Fait que Copa Intercontinental, Snoot qui dispose de Neeb dans un balayage et qui va chercher la victoire. Une victoire qui a à peu près pas de signification à partir du moment où Uthermal est éliminé. Scarlett, contre-performance, hein, Scarlett qui s'est fait sortir par Yaguz out of nulle part, finalement. Ouais. Dans le premier round, le round of 10. Oui, c'était un tournoi bizarre. La ronde des 10, donc une défaite 3-2 pour Scarlett. Grosse déception de ce côté-là. Scarlett qui, je regarde le classement rapidement, qui n'aurait probablement pas pu, ouais, c'est ça, même avec une victoire, se retrouver à peu près 200-300 points derrière. Des joueurs pour le top 8. Mais là, surprise! Coup de théâtre! Mais dans le WCS. Je t'interromps. Vas-y. Scarlett, de toute façon, a pas commencé sa saison comme plus tard ou quelque chose. Il me semble qu'elle a pas participé à tous les tournois. Elle a pas accumulé de points dans WCS Winter. Ouais, c'est ça. C'est probablement ce qui lui fait mal présentement. On en parlait, je veux dire, dans un format comme ça, c'est la constance aide beaucoup. Il y a des joueurs qui sont présentement, je pense à Eliezer et Violet. Eliezer, surtout, qui a, je pense, même pas un top 4, puis il est qualifié présentement. Il n'y a pas de top 4, il a juste fait des quarts de finale. Quarts de finale au winter, quarts de finale au spring, puis des classements dans tous les majeurs, il s'est qualifié. Puis ça le met top 8. Il va peut-être aller à BlizzCon. Il a pas fait un top 4. It's all about them points. On them points. C'est ça, exactement. Et à l'inverse, tu peux ne pas être là pendant toute la saison et une victoire, comme le Coréen True, qui est passé de 0 à 3000 points avec sa victoire à Montréal, sort d'absolument nulle part et fait le top 8 déjà, mais de toute façon, il est qualifié avec sa victoire. Ouais. Et là, on a une colonne de plus, un tournoi qui a été annoncé début septembre. Un tournoi weird. Une grosse niaiserie. Un tournoi weird dans un setup weird. C'est la Kespa Cup. La Kespa Cup 2016 qui va avoir lieu à Séoul la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Donc un tournoi éparpillé, un tournoi long. Et ce sont, je vais y revenir, mais ce sont tous des conditions qui vont aller à l'encontre d'une performance européenne ou nord-américaine dans ce tournoi-là. D'ailleurs, juste le setup des qualifiers, je veux parler rapidement de la Kespa Cup, qui a, en fait, ça vient compter comme un majeur supplémentaire dans la saison. Donc, il y a 7500 WCS points qui vont être distribués, à peu près 50 000 dollars US. Évidemment, ça varie parce que les prix vont être en monnaie coréenne. Mais c'est un tournoi global. C'est complètement stupide. C'est un tournoi global qui inclut toutes les régions, donc le circuit et le WCS Corée, et qui va donner des points aux deux, nonobstant une égalité ou un partage égal de la distribution de ces points-là. Ça vient changer la donne au complet. Imagine quelqu'un en Amérique du Nord qui vient gagner ce tournoi-là, en Amérique du Nord ou en Europe, là, sur le circuit. La victoire donnerait 1500 points. Donc, plus que n'importe quel autre majeur sur le circuit. Hein, les majeurs comme IEM, les DreamHack qui ne sont pas des finales WCS, la victoire donnait 1000 points. Et là, ça va être 1500. Un joueur comme Harstem, même Scarlett gagne ce tournoi-là et se qualifie pour BlizzCon à partir de la 15e place. C'est stupide. Énorme. Comment? Stupide. Stupide. C'est con. Je vais utiliser l'analogie que tu m'as faite tantôt. Ouais. Directement, c'est comme si tu, pendant, comme tu arrives vers la fin de la saison, tu sais, il reste comme 3-4 games à la Ligue nationale avant que les séries commencent, puis tu annonces une expansion de 5 équipes live là. En fait, tu t'allonges la saison, fait que ouais. les équipes qui se battent pour une place en série marquent des points, puis là le classement commence à se setter, puis tu es capable de voir à peu près qui va être à quelle place, puis là, bam, ok, guys, on joue 6 games de plus, tout ouais. le monde.
On joue 6 games là. Hey, ça peut être 12 points, ça peut tout changer. Ben, c'est exactement ce qu'on a présentement avec la Kespa Cup. La façon que c'est organisé, écoute, c'est un tournoi coréen. Là. C'est carrément un tournoi coréen. Les quatre joueurs top du Pro League sont automatiquement invités. Donc, Hero, Zest, Stats et Maru. Le Global Qualifier, ça c'est une autre aberration, une autre chose, ma foi, tout à fait spéciale. C'est le top 8 de ce tournoi-là. Donc, il faut faire les quarts de finale pour se qualifier. Je compte, là, à vue d'œil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 non-coréens dans le tournoi. Ça s'est fait tellement rapidement, il n'y a aucun Nord-Américain, aucun Européen. Tout ce que je vois, c'est, vois-tu, j'ai Chine, Taïwan, Chine, Taïwan, Japon. C'est tout. Il n'y a personne, probablement à cause de l'heure du tournoi, puis j'essaie de le voir. Ouais, c'est ça, c'est à 16h, heure de Corée. Ça, c'est complètement débalancé ton système de ranking puis de pointage. D'où ça sort? Qui a décidé ça? C'est beau. Je veux dire, ok, oui, on s'entend, s'il y a surtout des joueurs coréens qui participent, ça va surtout débalancer le ladder coréen. À la limite, oui, tu le sais que je m'y intéresse un peu moins par manque de temps. Tout simplement, je veux pas dire n'importe quoi, je veux pas faire des prédictions de ce côté-là parce que je les connais moins. Mais on a 8 Coréens, on a 4 Coréens, il reste qui? Il reste 2 qualifiers NA et 2 qualifiers Europe. Et il se trouve que le qualifier NA, ben c'est ce soir. C'est live là. C'est live, ouais. Ça se joue présentement. Bales est en train de jouer Neeb et le gagnant va jouer contre Scarlett. Scarlett qui est en bonne position présentement, qui est en demi-finale du Winner Bracket. True qui est déjà qualifié pour la finale du Winner Bracket. Et c'est le dernier match à jouer, en fait. C'est un double élimination. Donc, le gagnant du Winner Bracket est qualifié et le gagnant du Loser Bracket est qualifié. Malheureusement pour nous, on suit toujours les joueurs canadiens. Massa et Scarlett se sont rencontrés au deuxième tour. Scarlett a disposé de Massa assez rapidement. C'est juste après avoir vu ça que j'ai vu que c'était double élimination. Donc, Massa, qui peut se retrouver contre Kélazur, qui peut se retrouver contre en fait, ça va être contre Foxer. Kélazur ou Foxer. Le bracket qui est pas à jour présentement, c'est un peu spécial. Je suis capable de le déduire juste en voyant les matchs. J'ai comme tout compris, Cadium, comment que ce tournoi-là a été créé, en fait. Ouais, vas-y. Je pense que quand que Chris Madsen a annoncé son départ à Blizzard, ils ont comme tout tombé sur la tête. Ils en revenaient pas. Puis là, ils ont fait comme... Et de là est apparu la Kespa Cup. Comique. Non, mais... Et là, le... OK, oui, le NA Seed Qualifier. Maintenant que les chances de Massa de se qualifier sont extrêmement faibles, j'ai envie de dire, à cause de l'opposition qu'il y a devant lui, mais parce qu'il est tombé dans le loser bracket tellement tôt, ça va prendre... Ça va être difficile. Une solide performance, en tout cas, pour revenir. Le tournoi qui va m'intéresser, moi, c'est le EU Seed Challenge. Donc, les deux joueurs qui vont se qualifier pour l'Europe. Parce que là, encore une fois, tu te retrouves dans une situation où je regarde le classement. Petit Drogo. Petit Drogo, Uthermal. Showtime. Elazer qui pourrait venir briser son égalité. Parce que ça, c'est toute l'expérience, en fait. Moi, je voulais voir ce que Blizzard allait faire avec cette égalité-là. Je voulais voir l'organisation du show match. Pour les gens qui ne sont pas au courant, présentement, il y a égalité au 8e rang du Championship Series circuit. Elazer et Violet à exactement 2610 points. Alors qu'ils ont des finishes complètement différents. C'est hilarant que ça tombe comme ça. Les deux sont 8e et il y en a seulement un qui peut passer là. Oui. Fait que tu fais quoi? T'organises comme un gigantesque BO9 live. Il y a comme une occasion pour faire quelque chose de grandiose avec ça. Entre deux Zerg en plus. J'aimerais ça voir ce match-là. Mais là, on pourrait voir cette égalité-là se briser et... Uthermal, Drogo... Showtime?
Showtime, lui, est déjà qualifié. Showtime, oh. Showtime est deuxième. Showtime est loin. Oh my god, ok, ouais. Oui. Showtime a 4900 points. Même s'il n'avait pas gagné un WCS, même s'il avait fini deuxième ou troisième, il serait qualifié. Marine Lord, Marine Lord, es-tu là? Marine Lord, non, Marine Lord est loin. Trop loin. Même avec une victoire de la Kespa Cup, il ne pourrait, pas, pourrait okay. pas revenir. Marine Lord qui est à égalité en 17e place. Lui, encore une fois, c'est des, on parle de constance, là, c'est des contre-performances dans les, le début de l'année ouais. Qui viennent le hanter, en fait, là, pour le joueur français. En fait, moi, je vous envoie définitivement, après le stream, je vous envoie définitivement soit sur Base Trade TV ou sur O-Gaming. Jetez un coup d'œil là-dessus. Le qualifier nord-américain qui est en cours présentement. L'autre, si je ne m'abuse, c'est après-demain, le 16. Non, c'est demain. C'est demain. Qualifier Europe. Et il n'y a toujours pas de participants d'annoncer. Ça a l'air brouillon. Non, c'est spécial. Parce mais que on connaît la Kespa. Moi, ça fait longtemps que j'entends parler de la Kespa. Oui. C'est sérieux, là. C'est serious business, la Kespa. Là. Quand c'est, même. C'est pas du niaisage, là. C'est de la grosse argent, pour utiliser une expression bien de chez nous, là. C'est de la grosse argent. C'est du gros c'est, cash. C'est de la grosse organisation. Oui. Et c'est le tout est extrêmement spécial. Je veux dire, même deux Européens et deux Nord-Américains qui s'en vont là, je veux dire, t'es là une semaine, t'as le décalage dans le corps. Une semaine, le tournoi dure, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est vraiment, long. Là? Ah, je sais pas, j'ai de la misère. Je sais pas trop. On verra bien. Ouais, ben je veux dire, je suis complètement hype. D'un autre côté, là, t'as l'autre côté de la médaille. T'as le fanboy en moi qui est comme malade. Un tournoi de plus avant BlizzCon. Et en plus, c'est un tournoi global. Donc on va peut-être avoir une idée. Je veux dire, les gens qui vont se qualifier pour Europe et NA, il y a des bonnes chances que ce soit des gens qui sont déjà dans le top 8. Ouais. On va se le dire, là, soyons honnêtes. Il y a des chances que ça change absolument rien au classement aussi. Là. Je veux dire, je en parle beaucoup. Là, mais il y a beaucoup de Coréens. Vu qu'il y a beaucoup de Coréens, il y a des chances que ça soit juste genre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si un joueur comme Showtime, Paul, qui sont déjà qualifiés, se qualifient, ben, ça change rien au classement. Ah, ok, ouais, dans ce sens-là, ouais, effectivement. Dans ce sens-là, là, je veux ouais. dire, ça prendrait vraiment un joueur dans la course qui se qualifie et pas les autres. Ouais, non, exact. Que ça fasse un changement parce que juste se qualifier, Uthermal. Si Eleazar et Violet ne se qualifient pas, il s'en va à BlizzCon. That's mm-hmm. it. Il a juste à se qualifier. C'est 225 points dans les poches, puis il est à 80 de la position. Effectivement. Ça va aller vite, là. Mais en Amérique du Nord, je te dirais que peut-être Scarlett. Qu'est-ce que d'autre? Tu vois, attends, je vais y retourner, là. J'étais rendu en Europe. Je vais y retourner au NAC Challenge. On va peut-être avoir un bracket updaté d'ailleurs. Neeb a battu Bales. Donc c'est Scarlett Neeb. C'est pas un rematch de WCS Montréal. C'est ça, un si rematch. Je pense que oui. Hein? C'est un rematch de WCS Montréal. Je pense que exact. En quart de finale, j'ai envie de dire. Je prends un risque. Je vais chercher ça tout de suite. Ouais, il me semble que c'est en quart de finale. Neeb qui a battu Scarlett. Donc c'est un rematch. Ça va être difficile, hein? Scarlett Neeb, oui, qui avait été planté 3-0. Oui, c'est vrai, c'était pas beau. C'est ça. Et là, on tombe en BO5, donc c'est exactement le même setup. Oui. Et peu importe qui va gagner, la suite n'est pas plus facile parce que, je veux dire, tu vas affronter True, qui est sur une lancée, son momentum est vraiment là. A battu Violet 3-0. Violet qui est encore dans la course, hein, pour se qualifier. Oui. Qui est Losers Round 7. Donc, aurait 1, 2, 3. 3 matchs à gagner pour se qualifier par la suite. Violet qui est. Ah. Waouh, la pression. Ben, écoute, c'est vraiment quelque chose à regarder là, dans le début du week-end. Oui. Le Qualifier Europe. Ce qui va arriver à Scarlett. Ce qui va arriver à Violet surtout. Parce qu'on regarde. À ce stade-ci, on regarde la course. Là. Violet en Amérique du Nord et Eleazar. En Europe, avec Drogo, avec Uthermal, qui va faire sa place dans le tournoi surprise, le tournoi de la mort, bref. Oui, de la muerte. De la muerte. Écoutez, votre week-end est déjà dessiné. Samedi, ouais. vous écoutez la Kespa Cup. Dimanche soir, vous écoutez Sportif du Clavier, live en direct du Nexus, Montréal,
pour notre championnat de Rocket League. C'est facile. C'est ça. Ça, c'est votre week-end. Si votre blonde vous dit de faire autrement, dites-y non. Max Beaulieu a dit que je dois écouter la Caisse Pas Cup et Rocket League dimanche. Quand elle va vous demander c'est qui lui, vous dites que vous le savez pas vous autres non plus. Mais c'est pas grave. Votre week-end, c'est ça. Hey, attends, j'ai des messages à envoyer. Je pense qu'il y a un Québécois dans le tournoi. Ouais. Je regarde. Non, non, mais je regarde le loser bracket puis je vois Dead Zerg. C'est... Alban. Dead Zerg, c'est pas le gars qui était supposé être au DreamHack. Non, 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 non. Mais pas dans le WCS, là, dans le dans le BY aussi, là. Honnêtement, je pense pas qu'il était là. Dead Zerg. Mais c'est vraiment un nom qui me dit quelque chose. Faudrait que je regarde. Je ne vois pas de. Dead Zerg. Je ne vois pas de page l'Equipédia et c'est un peu bizarre. Mais il y a un Twitch. Il a commencé directement. Dans le loser bracket. Oui, je viens de comprendre là. Ok, ok. Ouais. Il y a un bracket officiel. Oh my god. Ok, c'est un tournoi à 80, ça là. Wow. Whatever. C'est énorme. Ouais, je vais me renseigner, voir si c'est Dead Zerg, le Québécois qu'on connaît. Yes. Écoute, merci, Casium. Écoute. On pourrait partir sur une solide dérape là, avec la Caisse Poca. Ouais. Mais moi, je pense que je vais juste sit back puis enjoy le show. Oui. Oh, ouais. Fin septembre, tranquille, après nos aventures de Rocket League puis tout ça, on va avoir la chance d'en reparler de toute façon. Pis, yes. On va voir les Coréens se délecter des corps sans vie de deux Américains et de deux Européens. Ouais. Exactement. En fait, c'est ce qui risque d'arriver, c'est ça le pire. Ouais, rip and pepperonis. Rip and pepperonis. Écoute, Casium, si les gens veulent te rejoindre sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils peuvent-tu faire ça? Ben, ils peuvent aller sur mon Facebook ou mon Twitter, donc facebook.com/CadiumTV ou @CadiumTV sur les Twitter, la Twittosphère. Sur la Twittosphère. Yeah. Écoute, merci. Si jamais ça vous tente de voir mon Twitch à moi, vous avez l'adresse juste en bas de ma face, c'est twitch.tv/max_Beaulieu. Dernièrement, je vous dirais que je stream pas mal plus sur la chaîne des sportifs du clavier. Mais ouais. Prochainement, on va avoir un unboxing qui s'en vient sur la chaîne des sportifs du clavier. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez, restez à l'affût. C'est quelque chose qui va s'en venir très, très, très bientôt. Que d'ailleurs, je remercie notre nouveau commanditaire, notre nouveau partenaire, en fait, le Cartorium de Sainte-Thérèse. Merci à vous autres, les boys. Sinon, si vous voulez voir les épisodes des Sportifs du Clavier en reprise, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube, les Sportifs du Clavier Podcast. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, LSDC Podcast, ou sur Facebook, à Sportifs du Clavier. Maudit que ça fait des affaires à dire, toutes ces affaires-là. Et sinon, c'est possible pour vous, si vous aimez le contenu qu'on produit, de nous aider sur Patreon, qui est un site web de financement, si on veut, qui est un équivalent d'un partnership avec Twitch, mais sur un tierce site. Et là-dessus, on vous donne des petits cadeaux et des choses de même. Ben, des affaires bien le fun. Fait que si ça vous tente, le lien est dans le chat, vous pouvez aller voir ça. Tout l'argent que vous nous donnez est remis dans le stream. En fait, on se rembourse l'équipement audio, on en achète des nouveaux. On a réussi à acheter un nouveau PC avec cet argent-là. On est en train de travailler. Ben, lorsque j'aurai ma maison, et hopefully l'année prochaine, on va avoir un petit studio où on va pouvoir enregistrer les épisodes live à partir du studio si jamais ça donne à nos collaborateurs et ces choses-là. Donc, tout cet argent-là nous aide à faire ces beaux petits projets-là et à faire des événements grandioses comme il s'en vient avec le Meltdown et ces choses-là. Donc, on vous remercie de votre support, mais le plus important, c'est que vous soyez avec nous autres en direct à toutes les semaines. Ça, pour nous autres, ça vaut de l'or. On se laisse là-dessus, les chers amis. Et juste en terminant, la semaine prochaine, au Sportif du Clavier, on essaye d'expliquer pourquoi il y a un Suisse et un Japonais dans le tournoi nord-américain de la Caisse Pas Cup. Oh boy. Merci, Cadium.
Bye là. Si vous avez aimé l'épisode aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le petit bouton follow, le petit cœur mauve sur Twitch et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci tout le monde! À la prochaine!